Et nous allons faire cet ouvrage qui porte le nom de l'ouvrage du code de garde. Allez, c'est parti. Allez, c'est reparti, donc on est descendu. C'était pas mal, hein. Là, j'aurais dit plus de 20 mètres, puisque ça aboutit sur une tourelle en haut. C'est toujours plus rapide quand tu redescends. Donc, on va continuer la progression. Donc là, je pense qu'on va au dernier bloc en fin de route. Alors ça, j'aime pas du tout. Ce drapeau. Enfin, ce drapeau. On est fait là. Toujours accès à l'inscription sataniste sur le mur. Très très rassurante. Alors, grenade à main. Donc là, c'est le magasin à grenade. Une petite porte pas trop blindée, enfin, un petit sas. Elle sort d'assez normal. Donc là, on retrouve mécanisme de ventilation un peu plus. Un peu plus gros, carrément plus gros que l'autre. Donc, la pièce en face, donc il y a les charnières de la porte qui sont défoncées. Donc je pense qu'elle n'est pas très bien avec la corrosion. Donc là, on dirait une chambrée, ou pas. C'est bizarre, c'est comme c'est une orientation au mur. Je pense que c'est peut-être du stockage. Alors là, par contre, on commence à manquer d'air. Du moins, moi, je manque un peu d'air. Alors, je suis pas claustro, hein, alors je sais pas si c'est dans la tête ou si c'est réel. Donc là, ça grimpe violemment. Par contre, j'essaie de me situer. Le plan, alors on est entré. L'entrée par le bloc 2, on a été de ce côté, on a fait la tourelle, donc le bloc 3. Et là, on va rentrer dans le bloc 4. Donc les deux petites pièces là qu'on vient de voir, le bloquet, non, c'est au-dessus. Donc, et en surface, on va y aller. C'est étroit parce que j'ai le conduit de fumée dans les pattes. Bon, on arrive au bloc. Ouais, magnifique, on y est. Faire profiter un peu. Alors, on a des tumeurs de grenade. Donc pareil, un support. Oh punaise, putain, il m'a fait sursauter. Désolé les amis. J'ai pas peur des animaux, mais je m'attendais pas à prendre un truc dans la gueule en fait. Donc, on a une petite chauve-souris, elle est là. Bon, ben, décidément. Bon, elle est descendue. Bon, alors apparemment. Je suis pas seul en haut. Il y a un espèce de gros bestiau là. Il y a un gros bestiau parce que je l'ai entendu bouger. Alors, je sais pas ce que c'est. Alors juste, je regarde les amis, juste pour ma sécurité, hein, de voir ce que c'est pour pas être surpris. Et après je vous fais la visite, hein. Ça va être là-dedans. Là je vois qu'il y a des petits nids, là. Alors, des nids de quoi, je sais pas, mais il y a juste manqué en dessous. On s'est
J'allais dire, non, je suis sur mes gardes, donc là, ils vont attendre assez petit coffre. En fait, il est tout petit. On a ces poutres énormes. Donc là, alors celui-là, il est beaucoup plus gros. Donc là, je pense que c'était soit une mitrailleuse, soit un mortier. Là, mais c'était pas un fusil mitrailleur. Là, c'est avec la tête du support, elle est quand même balèze. C'était fermé. Et là, bon, je pense que c'est toujours ce qu'on a. Et là, vous voyez, il y a ces renforts là en bas. Et là, ça, parce que ça m'intrigue, ça tombe, c'est génial. Qu'est-ce que ça cache ça? D'accord. Alors, je sais pas si c'est des prises ou si. Bref, si c'est pour. Si c'était pour mettre un micro. Bon, je vais remettre comme il était. Bon, il y a rien de plus. Et, donc, là, apparemment, la cheminée se trouve au-dessus, enfin, la prise d'air. Donc, elle se trouve au-dessus du bloc. Donc, pour ce côté, c'est bon. Il nous reste le côté gauche à terminer, donc de quand on est rentré. Donc, je vais vous épargner la descente. On se retrouve tout de suite en début du côté gauche. A tout à l'heure. Alors ça, bon, c'est reparti les amis, on est descendu, il y a quelque chose que je n'avais pas vu tout à l'heure, ah bah oui, donc ça c'est des latrines, oui, ce sont bien les latrines. Il n'y en avait que trois là. Fais attention en dessous là, c'est pas stable et c'est la fosse. Comme l'inscription vous l'indique, ce sont des bassins. Alors là, par contre, le sol il s'est sacrément levé. Alors vous voyez là, je prends un peu d'appui pour vous montrer, mais si vous voyez le relief là, ça s'est carrément levé. Alors ça, techniquement, ça voudrait dire que les deux murs se sont rapprochés. Peut-être d'avoir vu ça. Alors là, c'est donc carrément, mais en vrai, c'est bizarre qu'il y ait des volets aussi. Donc ça, c'est peut-être réellement des radiateurs. C'était en 433 volts hein, quand même. Et là, donc du coup, on est sur le moteur de l'ouvrage. Alors là, ce qui est beau, c'est qu'on a une caisse avec des pièces mécaniques. Je vois qu'il y a des volants de vanne. Ça a l'air d'être une caisse d'époque. Hein. On a carrément. Donc c'est le petit moteur. Ah ben le gros moteur, je ne vois plus. Non, on voit que ce petit moteur. Alors, il est vraiment impeccable. Et il y a encore la bouteille. Alors, ça, c'est la première fois que j'ai une bouteille comme ça dans un fort abandonné, mais d'habitude elles ont été prises. Celle que j'ai vue, c'était la Gezen, si le rendement est un. Et au fond, on a trois belles citernes. Ça va être les réservoirs de fuel. Voilà. Alors, passons sur ça en plus haut. Je ne sais pas. On arrive sur la machine de l'ascenseur.
Z, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est tout en bas. Ah, c'était juste le câble. Ça veut dire qu'ils ont enchaîné. Donc, on est sorti là. Avec une petite chaîne. J'ai entendu du bruit. Vers la sortie par laquelle on est entré, parce que j'ai quand même une petite peur. Bon, pour les personnes qui font l'expo, je sais pas si vous y pensez ou pas, quoi. C'est que quelqu'un puisse nous bloquer l'entrée depuis l'extérieur, simplement en y mettant un cadenas, ou alors soit pour embêter, parce qu'il y a des têtes de dôme partout, soit parce qu'ils ne pensent pas qu'il y a quelqu'un dedans, et comme ils trouvent ça dangereux, ils vont fermer. Donc là, comme j'ai entendu un petit peu de bruit, je suis content de trouver une sortie. Elle est bloquée par la chaîne. Non, c'est pas une grosse chaîne, on s'excite un peu. Et en prenant d'autres barmines qu'il y a à l'intérieur du fond, on doit pouvoir réussir à la péter. Au pire, on a le portable et les batteries de secours. En espérant qu'il y ait du radio, j'ai pas fait gaffe par contre. Et là, du coup, on va vite se précipiter donc vers la sortie. Là, j'entends vite, t'es vraiment proche. J'aime pas trop les deux comme ça. Merci mille hommes. J'étais en train de manquer la sortie, heureusement qu'il est là. Vous voyez, il suffit d'avoir 2 minutes d'inattention. Bon, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Je retourne en rond. Mais bon, ça fait gagner 20 minutes. Alors, il y a une particularité. Pour ceux qui connaissent l'expo dans les bunkers, les fonds le savent. Pour ceux qui ne connaissent pas, quand vous entrez dans ces ouvrages, il y a toujours une odeur de fumée assez violente. Ah, une belle chauve-souris. Celle-là, elle est belle. Hein. Vous la voyez là? Et donc, je dis qu'il y a une odeur de fumée assez violente. Et ça vous prend la gorge, ça vous prend les yeux. Allez, désorienter la pauvre. C'est magnifique. C'est un petit focus. Ah, mais il n'y en a pas qu'une. Hein. On va essayer de l'embêter, on va progresser. Attention, elle est là. Et ses copines. Il n'y a pas qu'une. Alors je vois la lumière du jour. Et enfin la sortie. Vous voyez. Là sur ces portes à l'extérieur,
Il y a des cadenas. Alors imaginez que vous êtes dedans en pleine exploration, puis là des passants ou quelqu'un de peut-être un employé de mairie ou quoi que ce soit, s'il n'a pas la présence d'esprit d'aller vérifier avant que personne ne s'y trouve, imaginez qu'il ferme la porte et qu'il la verrouille à l'aide du cadenas ou d'un autre cadenas. Vous trouvez du coup enfermé à l'intérieur. Là c'est un peu perdu dans la forêt. Alors si quelqu'un de votre entourage est au courant du lieu où vous êtes, que vous avez pris vos précautions, que si vous l'avez dit, si je ne suis pas rentré ce soir, tu préviens les secours, etc., il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas pris ces précautions, qui va venir vous chercher là-dedans? Et comment vous allez alerter les secours? Vous allez me dire, vous avez un téléphone, moi aussi, hein, j'ai mon téléphone, mais je n'ai pas vérifié avant si j'avais du réseau ou pas à l'intérieur, ou même aux fenêtres. S'il n'y a pas de relais dans le coin ou quoi que ce soit, ça va très vite. Donc c'est pour ça, faites attention. Bon là, nous on l'a fait comme ça, on a un peu fait les cons. Au final, l'idéal ce serait de laisser quelqu'un à l'extérieur, qui puisse empêcher quelqu'un d'autre de fermer ou prévenir s'il y a quelqu'un qui s'y approche, ou prévenir votre entourage du lieu exact, quitte à laisser les coordonnées GPS, du lieu exact où vous vous trouvez. Et les semer de prévenir les secours au bout de X heures sans signaux de vie de votre part. Alors voici cette fameuse tourelle dans laquelle nous étions tout à l'heure. On se trouve carrément en bordure de route. Là, c'est la lucarne par laquelle je vous ai montré le point de vue. Bon les amis, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager un max sur vos réseaux sociaux, histoire que la chaîne puisse se faire connaître un peu plus. Et moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss.